Je suis que nous entendons là, ouais. Je dis, c'est lundi, dernier lundi, mois d'octobre là. Mois d'octobre là, venu là, aller. Il y a des gens qui sont là avec nous, il y a des gens qui ne sont pas là. En tout cas, nous avons des gens qui sont à bord pour dire, nous, si vous entendez nous. Merci, Ola, Aristide, vous entendez nous? Sautant de nous avant de déraper. Je ne vais pas déraper sans que le monde ne dise oui que le temps de parler. Je ne vais pas déraper comme ça. C'est comme ça, Jean-Marco. Dis-moi si nous entendons pour me connaître, pour me montrer pour dire. Belle salutation pour Jacqueline. Est-ce que vous entendez moi? Bonsoir. Est-ce que vous entendez tout? Isaac, François. Est-ce que nous entendez? Oui. Oui, d'abord, dit oui, entendez. Tout le monde dit, entendez. Bien content. Bonsoir tout le monde. C'est Jean-Aubert Philippe. Moi, Washington, je dis à nous. Quand d'habitude, je suis avec la caille, moi, là, papa. Moi, là, n'a pas qu'un là. Eh bien, j'ai une pile nouvelle pour nous aujourd'hui. Gros nouvelle, tout. Et j'ai une nouvelle qui a fait qu'un content, qui a pas fait qu'un content. En tout cas, actualité a toujours. Je dis à c'était lundi, d'habitude, je travaille à la caille. Mais étant donné que Jacqueline, dans l'entraînement, les non-training, et pour 3 jours, donc, il n'est pas là. Donc, c'est moi qui ai remplacé lui dans l'émission radio sous télévision. Donc, ça fait que je suis là aujourd'hui. Donc, moi, salut nous, monsieur, que nous passons un très bon week-end. De fait que nous l'avons déjà dit que le week-end était bon pour nous. Et toujours penser positif, ok? Toujours penser positif, oublier tout le négatif, yo. Toujours garder bon côté de vous. Actualité sur le plan international d'abord, là aussi, mauvais temps. En fait, le Kremlin, mauvais temps, après un fou le monde débarqué dans un petit aéroport. Après, un avion était atterri, il dit avion, c'était tel avion de soutien Israël, et mon yo était débarqué pour y aller protester. Il était parce que c'était les Israéliens qui étaient dans l'avion, ils viennent chercher fouiller tout le monde qui a venu pour y aller. Mais c'était un bagage, et c'est pas sale que c'était, parce que c'était les Israéliens qui ont venu cacher. Eh bien, mais le gouvernement Kremlin n'est pas content du tout avec ce qui passé. Ici, aux États-Unis, ancien vice-président Mike Pence, qui tape chercher nomination parti républicain pour l'élection présidentielle 2024. M. Cazon quitté ça samedi après réaliser que le pas rien que la première n'a garde encore pas rien capable aider remporter nomination parti a après incident qui est passé et 6 janvier 2021 et bien Mike Pence c'était 6 janvier 2021 ça Mike Pence était perdu confiance ou bien et républicain qui a supporté Donald Trump, qui a perdu confiance en lui. Donc, monsieur, c'est ça, flotter. Donc, monsieur était pour une candidature pour les États-Unis, nomination partielle. Mais non, ça va marcher. Il n'y a pas qu'à ramasser l'argent pour le faire élection. Dans le débat qui fait, tu veux participer là-dedans, il n'y a pas vraiment, et résultat, il n'y a pas tellement sorti en faveur de la pression qui fait après le débat. Donc, monsieur dit que les vignes vont pour se reconnaître comme dans le poche, il a dépensé. Et vous connaissez. Le nom de travail dit, au fin de gamme, nous avons dit l'argent serré, on n'a pas capable de dépenser comme ça. Non, bah, il n'y a pas de quoi réussir. Donc, monsieur décide de quitter ça. Il quitte ça. Donc, mais il va dire que les gains, il ne va pas contester aucun candidat qui remporte une nomination parti. Il a non parti, il a poté collé, poté bourré, etc. Non, peuple américain. On t'a arrêté là, oui. Et sur l'actualité, on t'a parlé de nos nouvelles là. Nos nouvelles là, oui. Nos nouvelles là, gouvernement haïtien, en fait, journal américain de Miami Herald, publié, rapporté, je dis à même que gouvernement haïtien campé, suspend tout vol, cap souci. Haïti pour aller Nicaragua. Nous avons dit ça dernièrement, Nicaragua c'est nouveau et base ou nouveau point de transit que Haïti a utilisé pour arriver au Mexique, pour aller sous frontière, attendre possibilité pour entrer aux États-Unis. Eh bien bon, le gouvernement haïtien a sorti un communiqué et matin, c'était gros désordre. En fait, jusqu'à présent, on n'a pas parlé, c'est gros désordre qui est à l'aéroport, mais Mounio, passager, qui est à l'aéroport pour quitter Capati Jodia. Moun yo pat konnen, gen moun ki konnen ta pati matin, le rive, yo di, ah, avion konti problème, avion en retard, etc., avion pa pati. En tout cas, c'est travail gouvernement pour communiquer, ou bien on arrête, et bien il dit, avion pap soti Port-au-Prince puis aller Nicaragua. Moun te ban nou exemple l'autre jour, moun te dit que samedi passé en route, te gen 26 vols charter qui se soti Port-au-Prince qui te allé Nicaragua. Dans déclaration qui dit tout, gouvernement américain, administration américaine en particulier, une porte-parole, une conseiller
sécurité nationale là. Et bien, il dit que oui, administration américaine au courant de programme ça de monde qui a sorti en Haïti qui parle Nicaragua avec objectif pour traverser toute Amérique centrale là et puis pour tomber au Mexique avec espoir qu'à rentrer aux États-Unis. L'administration tout exprimé inquiétude li tout. Pour moun sa yo ki la récord nan men rakete pour pas abuser yo, voler l'argent yo, faire tout on connaît, tout bail qui a passé etc. L'administration tout exprimé inquiétude li tout sous bail ça. En tout cas, nous, Nicaragua, c'était nouveau. Ça veut dire le nouveau point de transit côté haïtien. Puis là, il s'est passé, il y a des gens qui disent qu'ils payent jusqu'à 3 000 $ minimum. Minimum 3 000 $ pour faire voyage ça, pour avion déposé là, et puis pour continuer où tu es encore. Là, il y a encore, il y a l'autre dépense pour faire. En plus de 3 000 $, ben, on va quitter. Donc, il y a des gens qui perdent l'argent, il y a des gens qui perdent comme eux, il y a beaucoup de gens partis, il y a des gens qui partent tout. Et nouvelle dit que moun ki veut sur frontière. M'pa konn si moun ki veut aux États-Unis qui participer nan bay ça, m'pa ka di nou, mais gen moun ki effectivement qui fait voyage là qui veut sur frontière États-Unis partage avec Mexique là et moun sa al tann avec espoir que porte là ouvert pour yo, y a capable rentrer et venir demander asile aux États-Unis. Et c'est chaque jour c'est des centaines moun qui réunit dans l'aéroport international Port-au-Prince là. Pour faire voyage ça à bon vol charter. Il y a des vols qui viennent très tard, mais depuis grand matin, j'avais me dit c'était un bail lucratif. Tout le monde a fait, tout le monde joigne le ça. Tout le monde marche, mon cap va manger cuit. Ça c'est bon, il faut le manger. Il y a mon cap dormi, il y a mon qui dormi devant l'aéroport pendant et dans parking aéroport. Il passe une nuit là pour demain pour aller. Donc mon cap comprend ça plaisir, etc. Voilà ces nouvelles là. En tout cas, l'IA est officiellement pas jam dit et Mounio ça passe exactement. Mais parce que on est sur 1 000 mon en dedans aéroport qui ont seul objectif pour aller Nicaragua et puis vous dire vol annulé ou qu'a connait qui quantité policier pour gagner pour venir mettre l'ordre là dans des ordres là en tout cas nous gagne correspondant en matière de ville mais qui sur place qui parle capable nous capable nous nouvelle après-midi et va certainement rencontrer avec et quelques passagers ça qui seulement va exprimer voix Léo au courant de nouvelles là et il va parler de ça. Dans l'autre nouvelle, il y a tout l'autre actualité avec la communauté internationale là, on a qui offre Haïti et police nationale là un paquet de machines, motocyclettes avec histoire de dire que ça a aidé au combat insécurité etc. Donc pour ça dans faire ces discours, il y a ministre justice là avec sécurité publique là madame Emily Prophète Milsé Zamim. Et il pense que le discours, l'autre directeur de la police nationale, tout qui pense discours, etc. Avec espoir que je dirais, pas quoi attendre le résultat tout de suite, parce qu'il prend du temps pour nous distribuer le matériel, le bail, agent, et puis il prend des dispositions, etc. Donc, c'est comme ça va passer. Et puis, le dossier de sécurité a toujours été en réunion au Brésil. Il est venu au Brésil sous affaire de sécurité. Il y a un monsieur, le professeur Chalmers, qui était dans la réunion. Justement, il a parlé de sécurité. Il y a un comité même au Brésil qui travaille sur le problème de sécurité et qui a parlé de questions là. Et puis, qui est l'autre point nous avons pour un peu de dossier frontière haïtien-dominicain. Nous rappelons que dernièrement, Haïti, en fait, le gouvernement a une délégation. Il y a 3 membres dans la délégation qui ont rencontré le comité qui a géré la construction du canal là. En tout cas, il y a des surprises parce que le gouvernement te promet, là, vont un comité technique, commission technique venir, là, vont l'autre monde, il y a deux commissions venir, mais il y a les commissions qui ont géré le canal là, on tient prudent. Il y a les pintades. Il y a pas le gouvernement vient prendre dossier en main, vient prendre dossier en main, parce que même, il y a des gouvernements, oui, nous d'accord pour nous assistance technique. Pour ingénieur, venir travailler avec ingénieur, nous gagnons là, pour venir travailler avec eux. Mais il n'est pas semblé, c'est ça que le gouvernement a gagné, ou bien la commission que vous avez. Parce que tu dis qu'il y a une commission qui va venir garder la situation, garder, et faire une évaluation financière, et puis faire des recommandations pour que le gouvernement baille l'argent. Et nous avons dit que le comité a continué à recevoir l'argent dans les contribuables, dans les diasporas, dans tout le monde qui veut libérer la cotisation pour permettre que le canal a fait. On va qui fait, le président Abinadel, mauvais temps qu'on. En parlant de président Abinadel, nous avons dit que M. Pondé, qui est récemment là, c'est jeudi, côté de former une agence qui pour gérer la situation, crise politique, situation en Haïti.
de la Kali, il est formé, il y a un paquet de ministères là-dedans, un paquet de ministères là-dedans, il y a un parti politique tout, membre de la société civile là-dedans, qui formé organisation ça, pour faire des recommandations, pour justement suivre l'actualité dans le pays d'Haïti, ça qui passe dans le pays d'Haïti, et faire des recommandations sous situation politique là en Haïti. En tout cas, il y a trois partis politiques qui peuvent participer et qui peuvent signer le document ça. C'est d'abord PLD, gain PLD parti parti libération dominicain et parti révolutionnaire dominicain tout et puis gon l'autre parti tout qui passe donc il y a trois partis mais de façon président Abinader dit bon c'est pas un problème parti ça pas signé document il y a rejoint yo dans août donc son dossier qui t'a fait grand point d'actualité en Haïti puis li, monsieur mettait tout ou li formé tout yon l'autre agence tout qui vous gérer bien mon yo saisi en République dominicaine. À quelque chose, que Dominicain saisit bien, pour quelle que soit la raison que tu as saisi bien, ben, il forme un comité qui peut gérer bien ça, et tu as certainement décidé si y'a venu, si y'a pas venu, l'argent pour faire, qui en peut distribuer l'argent que faire, qui ça peut faire avec COB, avec bien monde, que l'autorité dominicaine t'a saisi. Nous dit bien monde, nous pas contre qui monde. Quel que soit monde, il y a même Dominicain tout que l'État saisit bien, pour quelle que soit la raison. Donc, c'est là, nous y est. Donc, nous sommes sous place. Tu vois, c'est là, Jules Junior Sévi qui va parler nous de position, comité gestion, canal là, prend face avec commission et délégation que le gouvernement envoie. Parce que même, il dit, il n'y a pas besoin de monde venir prendre contrôle, bah là, non, mais il veut continuer à faire affaire, mais il veut le gouvernement assistance. Mais ça, il dit, ça, il n'y a pas ça, il attend. Il y a gouvernement prend son coup de madame, je suspecte que mon coup de madame qui prend, donc il bat. Yo bat les sons à cœur, côté yo dit, yo pas d'accord avec la façon ça, que ba la pral passe là. Et puis, gon candidat américain d'origine haïtienne, nan un petit ville en Floride, yo ele Lauderville. Eh bien, lui même, et li son docteur lié, eh bien, lui même, Lauderhill. Eh bien, lui même, et li candidat, li parle avec, et correspondant nous, et Jude Ansré, sous intention pour qui ça que le candidat, c'est ça le city commissioner, ou bien qu'on a les délégués de ville, c'est éventuellement signe de catadieu comme ça, et bien lui-même, il y a un gros pouvoir tout pour être capable de prendre des décisions pour permettre que la ville fonctionne, etc. Aider les gens qui ont besoin, assister tout le monde, au point de vue financier, au point de vue d'assistance, tout le monde que la population a besoin. Donc, il était expliqué et comment nous ça. Et puis, ça nous dit, le président national a encore, on l'a fait encore victime pendant le week-end. Il y a deux policiers qui ont mouru, une dans la zone d'Elma, une dans la zone Pétionville, et au moins pendant le week-end. Et c'est des inconnus, et des individus armés qui tuent eux, qui tuent eux. Tous les mouru, d'après ça, la police a dit, ils ont mouru assassinés. Donc, c'est pas balle. Yo, tous les deux, ils ont mouru. Donc, c'est un dossier que nous avons pu venir avec plus de détails. Et puis, nous parlons en Israël, nous avons dit que Israël. Et commencé depuis le week-end, on attaque contre sur le territoire Gaza. D'abord, ils font attaque à pied, ça n'est attaque terrestre, et attaque aérien. Tout côté à blague mortier sous ville-là, avec espoir que il va objectif pour détruire et militants et groupes palestiniens, les Hamas là. Nous avons bloqué responsable d'une attaque qui était faite dans plusieurs villages israéliens. 7 octobre passé, il était porté avec eux. Et plus passé environ 200 personnes qui étaient pris en otage et parmi eux, il y a un pile étranger là-dedans. Et il y a un pile qui est tout pour attaquer Israël a mené. Comme c'est à blague, moitié passé par là, moitié est capable bien à tomber tout côté otage. Donc il y a un pile qui est tout. L'administration américaine a demandé Israël pour le prendre un pile de précaution dans le travail à faire parce qu'en même temps, tout, il faut que vous protégez les otages. Ça qui passe encore là, eh bien. Moi, c'est que c'est là que je fais un petit campé là. Je ne vais pas dire tout ça que je connais. Je vais parler de dossier qui est seulement abdominé là. C'est bah, Nicaragua qui campé. Haïtien qui a pris un. Donc, sous talé hier ou arrivé. Mais depuis le matin là, le gouvernement campé. Campé tout vol. Tout vol, cap soutien Haïti pour aller Nicaragua, tout vol de campé. Et l'administration américaine lui-même. Exprimer inquiétude li avec activité ça il dit que et exprimer inquiétude face à et moun kap exploiter et faiblesse et immigrant yo pour mettre la lune qui a mené au vin au paradis aux États-Unis et il était exprimer inquiétude il était toujours conseillé moun yo pour pas prendre dans et dans bay sa yo et administration continue expliquer
immigrants yo moyen gen moyen légal pour entrer aux États-Unis moyen légal yo parmi en plus de réunification familiale gen moyen légal pour venir gen un programme côté que administration ouvre porte la bien large pour entrer aux États-Unis pour une passer 2 ans mais à condition gon moun qui pas tonno au point du financier qui va tonno mon n'a pas besoin qu'on non mon n'a pas besoin femme ou il pas besoin papa il pas besoin mari ou il pas besoin madame ou il pas besoin cousine ou quelqu'un doit en étranger les gens mon nous travaille avec et qui veut aux États-Unis qui gagne moyen qui veut pas tonno il ca faut venir aux États-Unis pour une passer 2 ans mais après 2 ans pour retourner dans pays parce que c'est sur besoin de venir travailler mais éviter de venir travailler pas apprendre anglais et pour venir travailler au fond tout au fond économie ou retourner là au lieu qu'on risque la vous dans Nicaragua pour vivre au Mexique dans Amérique du Sud pour passer pour tomber dans forêt d'Ariana et puis pour bon bête ca manger l'eau ca la avoir vacabon capable on est capable faire tout ça qu'on est ba eux ca voler l'argent piller tout ça gain et puis oui, l'or sur fond sur garder ouais au déporto côté au déporto c'est côté pas de vérité à garder ouais en Haïti. Gen moun ki va en Haïti dit côté mien là. Yo dit moun sa Haïti moun tout tombe à terre là. Il perd dit connaissance parce que c'est pas ça le vle, il dit côté mien là dit Haïti. Et ben il tombe 2 pieds long côté il est là et ben parce que c'est pas ça le vle, il était toujours voulait aller aux États-Unis. Gen moun tout ki va aux États-Unis. Ça a été à tendance à sacrifier. Et comme je pour mettre au ciel avec terre, mon arrivé, mon ami, je ne pourrais tomber même pas capable, parce que moi-même, pas permettre de faire ça. Badze, l'eau, chachou, l'autre côté, aller, etc. Donc c'est tout comme c'est débat. Il y a des déceptions partout, mais c'est comme ça. Il y a des déplacés avec toute sa gueule. Il y a des gens qui prennent Timounio et avec Timounio. Nous connaissons des exemples pour aller. Les amis qui sont au Mexique, qui ont écrit mieux. Je ne sais pas pour l'immigration. Je dis nous savons faire. Ça, les Américains disent, mais ça pour faire. Ou pas qu'à venir sur la frontière. Ils disent, sauf les unis sur la frontière, il faut prendre rendez-vous. Prendre rendez-vous et puis aller à l'interview, là, à côté, là, à l'interview, à l'arrivée, répondre aux questions autorité à poser là. À venir, on a même autre monde, ça a rencontré. C'est pour qui tu es entré. Et il faut mettre par qui t'ont entré. Donc, depuis qu'ils t'ont entré, il y a bon chanceau. Ou à continuer à voir que les rêves coréens pour venir aux États-Unis. Voilà. Moi-même, pour avec nous, après-midi encore, dans le journal radio sur télévision, je vais vous pour me parler avec nous. Restez branchés avec moi pour nous connaître qui ça matière de jeunes pour nous sur frontière. Et sous l'aéroport avec les immigrants, qui t'a pas le parti, jeudi, et qui peut aller encore. En attendant que le gouvernement prenne leur décision. Puis, il y a tout CARICOM, il y a une délégation CARICOM qui est allée en Haïti, je vous dis à même. En fait, depuis, elle est arrivée en Haïti. Il a commencé à faire une réunion avec acteurs qui concernent la crise, à toute partie politique, la société civile, là, pour voir dans quelle mesure il y a une solution avec la crise. Nan Marina, délégation annulée, jusqu'à nouvel ordre. Rencontre ça, il n'y a pas fixé une date qu'il a fait, qu'il a fait voyage là, donc ça a crampé. L'autre nouvelle là, c'est tentative. Il dit que le premier ministre Ariel Henry l'a fait actuellement pour lui modifier l'accord décembre 2021, l'an 2022, le TFA, qui était balle, qui est le côté de promettre pour qu'il te passe pouvoir par un gouvernement civil en 7 février 2024. Mais mathématiquement, ou pas besoin d'aller à l'école pour être son bac. Il est impossible, je dis, parce que jusqu'à présent, toute étape qui te promet pour faire, pour venir déboucher dans l'élection, il y a une pour qu'on fait, tant qu'au conseil électoral provisoire pour faire, etc. Tout ça, il y a une pas jamais fait, parce que la crise a fait, la tourne sur lui-même, et pas jamais on pas qui fait. Il y a un groupe qui forme, il y a un groupe focus qui forme, qui est là dans les GRE, ma petite OPL, qui est là dans les aider. Que ancien ministre des Affaires étrangères, Dr. Claude Joseph a dirigé, et bien M. Sayo met ensemble avec quelques autres groupes, et bien il forme un groupe pour demander au premier ministre Ariel Henry pour déposer Cléa en bas porte là pour yo 7 février 2024, parce que étant donné qu'il était pour faire élection, pas bien élection, donc déposer Cléa pour yo, mais il n'y a pas de bail, il y a une alternative, il dit, mais qui ça nous pourra le faire? Le 7 février arrivé, les premiers ministres t'avaler s'il peut aller ou bien encore si premier ministre pas aller
qui choix gen, qui ça va c'est pas je dis mon a demandé premier ça Ariel Henry pour lui démissionner ça pas que j'aime fait donc et, au contraire premier ça continue à rouler il continue à représenter Haïti dans rencontre internationale donc qui ça va le faire 7 février 2024 les dates l'arrivée puis par un gouvernement mais je dis tout entre-temps dans les coulisses gouvernement tout le travail tout pour lui modifier à quoi ça pour le rallonge, c'est-à-dire pour prolonger bah là on tient mettre le pied devant et peut-être avec espoir qu'il est organisé les élections ou bien faire ça que lui fait. Et puis dernière nouvelle là, c'est que Miss Univers 2024 et bien Haïti pas participer dans et bah Univers 2020 Miss Univers 2024 là qui vient pour dire dans Salvador et raison yo n'a pas cherché une raison. Bon, c'est peut-être des difficultés technique ou bien des difficultés financières ou bien qu'un budget ou bien parce qu'il était de fonds concours déjà local pour te choisir candidat, il pas semblé que concours ça était organisé. En tout cas, yo comité qui est là pour ça, comité a annoncé non note que yo pas et participer dans Miss Univers 2024 qui a déroulé dans pays Salvador puis Colombie organise des élections côté élu et élection locale. Alors, c'est le cas pour Maïska, gouverneur, etc., et même des gens parlementaires. Et il n'y a pas semblé que le gouvernement, pouvoir en place là, faire belle figure dans l'élection. Donc, c'est un dossier pour nous suivre tout. Parce que ça veut dire, si le gouvernement perdit, si le pouvoir en place là, ou bien parti qui joue pouvoir perdu l'élection locale, il parle très difficile, l'élection 2026 l'arrivée, ou bien l'élection prochaine, l'élection présidentielle l'arrivée, pour y arrêter, pour y remporter l'élection. Passez bon après-midi tout le monde.